Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 11 octobre, 21h comme d'habitude. Hop, à mon petit 21h, 23h, 22h, selon, ce sera selon. Vous n'entendrez toujours pas ma DJ préférée, nul autre que Nono. Vous ne verrez pas, malheureusement, Nono, ma DJ préférée. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ma DJ préférée. Et vous n'entendrez pas non plus, a priori, si je me trompe pas, Miss. Nia, 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 vu que je crois qu'elle est pas là, je ne sais pas. Il y aura peut-être, voilà, un joyeux anniversaire à la sœur de Miss, nia, nia, nia. Et un courage à Aurélie, voilà. Donc voilà, pour ça, pour ceux qui ne savent pas qui est Aurélie, c'est une amie, donc voilà. Patouche, mon ami. Patouche à ma poulette, enfin ma poulette, c'est au sens figuré. Donc voilà, Patouche à Aurélie, ni au bof, ni ami. Et secteur, comme d'habitude, tchang. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons chasser des fantômes. Comme d'habitude, on va mettre le son du jeu. Donc, on va créer une partie privative. Donc, j'ai acheté des skins. Donc, j'ai acheté celui-là en off. Celui-là, je peux pas puisque j'ai pas assez. J'ai acheté celui-là. Celui-là, comme si on est en multi. Celui-là c'est très pratique. Celui-là aussi. Le prêtre c'est quand je suis en multi. Le Wim peut avoir. Voilà. C'est pas assez. Celui-là brave. Je sais pas ce que ça veut dire en français. Et celui-là aussi. Et je suis shooter de fantômes, ce qui va éviter de voilà. Alors ça va me permettre de voir où sont les fusibles. Les boîtes à fusibles. Je vais vous montrer. On va sélectionner un job. Voilà, hop, celui-là, continuer. J'ai pris qu'une seule caméra vidéo. Dernier moyen, point bleu. Ça, voilà. Blablabla, on s'en fiche. Ah, ça c'est mort, je vous le dis tout de suite. Et crotte, je me suis bel et bien bourré. On va refaire une nouvelle. Que je me suis porté. On n'a rien fait.
comme ça c'est un petit peu mieux. Du coup, on va reprendre mon petit matos favori. Bougie, je peux le faire. Petit monde d'un fantôme, je peux le faire. Et de chasser, ça dépend où il va se poser. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, pour savoir ce que c'est les points bleus, c'est. Comment dire. Les fusils bleus, justement. Et hop, voilà. C'est les fusibles. Comme ça, dès qu'il y a une panne, boum, je vous. Hop, toujours l'UMF en main. Alors. Pourquoi je ne ferme pas les portes comme ça? S'il y a une entité, je sais que ce sera l'entité qui fermerait les portes, justement. C'est pour ça que je laisse tout ouvert. Dans les pièces, bien évidemment. Bonsoir, je ne vous veux aucun mal ce soir. Je crois que c'est une de mes maps préférées, celui-là. Ah, il est là. Hey Crotte, j'ai oublié quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose ici. On va y déposer une caméra. On va en mettre une deuxième.
vais faire quelque chose aussi. Maintenant, on va aller voir voir s'il se passe quelque chose. Oui, si j'y tape à la loupiote, ça va passer le truc. Regardez, il se déplace, regardez. Ici, il dit plein. Fermer la porte, on va dire. Comme ça on va mieux voir. Là, il y a une herbe là, donc il y a une lueur blanche ici. On le voit mieux, regarder quelque chose là. On le voit bien, regarder tout le long là, regardez. Donc le MF.
Soit Jean Phantom Ombre. Et la grosse lueur. La pas photo pour moi, c'est une ombre. Ouais, c'est une ombre, c'est une orbe. Allez hop, adieu, j'ai rendu. Donc elle est plus loin, pour moi c'est une ombre. Pas une orbe, je sais plus ce que j'aurais mis. Ouais, c'était une ombre. N'hésitez pas à me parler, hein. Je vois également le chat. Ça c'est mon rôle, c'est pas le fantôme. Les photos, on est bien fait frère.
Hop, on est parti en mode donner mèche. Bonsoir, c'est encore moi. J'ai oublié le matos. N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez communiquer avec moi si vous le souhaitez. Vous pouvez le joindre à moi. L'appareil est inoffensif. D'ailleurs, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à me parler dans le chat. Je ne vous veux aucun mal. N'ayez pas peur. Vous pouvez aussi vous manifester en faisant un bruit ou tout simplement en déclenchant l'appareil que j'ai en main.
On va d'abord vérifier. Ah, il y a des orbes. Donc c'est-à-dire que l'entité est dans la cuisine, puisque regardez, on va faire une expérience. On va faire quelque chose. Là, c'est parce que la porte est ouverte. Si on ferme la porte. Et bien, ceux qui viennent de rejoindre, on va faire une expérience. Voir si c'est ça ou non. Ouais, c'est dans la cuisine, regardez là-bas au fond. On voit. La petite lueur blanche qui est là, regardez. Là-bas dans le fond. Pour information, ceux qui me demandent ce que c'est que ça. C'est le boîtier justement du fusible. Il y a encore des herbes blanches, regardez là. On le voit. N'hésitez pas à vous follow et à me poser des questions ou si vous en avez. Attendez là, regardez notre l'endroit. Je pense qu'on va devoir mettre une caméra. Là, je sens celui-là juste là. Non seul là, une de sens là, une de sens là. On va mettre là et là de toute façon. Regardez là. On voit. On voit si c'est dans ce secteur là. Ce qu'on va faire, c'est mettre une caméra là. Une caméra qui est là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Mettre une deux sens là. Je suis question de la gamme. Ah, on l'a mal mis. Regardez-le, on le voit, regardez la dernière. On
Et là, on le voit. Là, on le voit aussi, regardez. On va le placer de toute manière. On va pas la chaise justement. On va le déplacer. On va plutôt le mettre au sol. Avec la chaise, on ne voit pas. On va mettre là. Donc on va en mettre 3. D'un côté et une sur le truc. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Hop, comme ça, vous voyez d'emblée le jeu. Ce n'est pas grave. On a la night vision. Allons checker. Donc il y a une petite orbe là, il y en a là. Allez, on le voit au sol, vous voyez. Donc on pourra plutôt bien le voir, je crois. L'addition, on le voit, regardez. Ah là là là, regardez. Parce que je disais, on va en mettre une dernière à peu près au sol.
Deux secondes, la personne qui me mentionne ou je ne sais pas quoi. Du coup, tac. Ah oui, j'ai bien un petit détail. Hop, très important. On est parti. On est là, on le voit, regardez. Là, on le voit bien, regardez. Qu'est-ce que c'est des ormes. C'est fantôme. Moi je dis que c'est fantôme. C'est fantôme. Je ne vais pas le regarder là, on va regarder sur mon écran sur mon écran. Ah, c'était un jument. Ok, Dak. Hélène Danky dit quoi? On s'en fiche. Et welcome à toi, Bastien. Pourquoi ça m'a pas donné l'alerte? Pourquoi mon alerte don n'a pas fonctionné? Je ne comprends pas. Ah, merci à toi, Bastien 6693. Et merci à toi, Zaka. Il y a deux jours, attends. Il y a un petit problème. Ah oui, d'accord, ok. On va changer le mode de bokeh. Thank you.
Enfin, une micro-pause.
Bon, on va terminer par les DB1. Du coup, on close le ticket.
Bon, ça a l'air calme. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là, bien évidemment. Bah en attendant, ça veut qu'on va mettre le lien Discord en direct. Donc le Discord, vous venez ici. Et après, hop, vous allez là. Après, c'est tout con, tout simple, hein. Si vous avez besoin d'aide, vous avez les tickets. Bah, en même temps, je vous présente, hein, bien évidemment. Donc, vous avez le ticket. Vous avez besoin d'aide, report bug, suggestion, dossier, donation. Savoir que le dossier donation pack, il faut le donner à Cameron qui est là. C'est très important. Bien évidemment, après vous avez le règlement. Donc après vous devez tous se connecter, ouvrir ticket, lien Discord. C'est très important de lire le règlement. Après, hop, vous avez les deux annonces. Je vous laisse découvrir, bien évidemment. Après, vous avez les patch notes. Ce qui est au-dessus du DBA, vous ne verrez pas. Après, vous avez les touches. Ça, à savoir que moi, je ne le vois pas. Vous avez le connect qui se trouve ici. Bien évidemment, il est free access, donc il est très important de lire le règlement. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez les tutos. Donc tuto téléphone, entreprise coffre, tabac, vigneron, boulangerie, l'inventaire. Les habits. Après, vous avez les Discord illégales. Discord légal. Enfin, illégal plutôt, pardon. Ça, c'est illégal plutôt, pardon. Ça, c'est le Discord légal. Job gang au dispo. Affaire de sous-dossier à le donner quand même à Cameron qui sont là. Qui est là. Donation, donc là vous avez toutes les informations sur la donation. Là c'est tout ce qui est HRP.
Donc, ne pas prendre en compte. Bon, par exemple, si je dis par exemple, je. Vais tuer, on va dire, à nu bis en RP. Ça, il est au courant en HRP, mais en RP, il n'est pas au courant. Avait le salon média. Salon bot, l'insta, Tweety, qui seront liés au en juin bien évidemment, journaliste, discussion non whitelist. Après vous avez passage whitelist 1, 2, 3 fermé, mais comme c'est free access. Moi, j'ai tout ce qu'il y a là aussi. Vous, tout ce qu'il y a à savoir, c'est là, jusque-là, vous, en fait. Enfin, jusque-là. Et après, l'un des membres du staff ou moi-même, on move. Par contre, éviter de troller, ce serait cool. Serait tip top. Donc voilà, c'est méga top quoi. Ça serait tip top. Comme vous verrez jusque-là. En gros, vous aurez que là. Bam. Voilà, voilà ce que vous verrez. On est là, il y a quelqu'un qui va écrire. Regardez, là il y a un ticket, regardez, tac, ticket. Là, madame, il va expliquer. Attends, je vous montre comment que ça se fonctionne. Donc là, c'est un exemple, hein, justement, que je vous montre. Savoir qu'il n'y a que le joueur qui voit son propre ticket, bien évidemment. Bonsoir. Tac, 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 tac. Hop, là, il a dit bonsoir. Je trouve ça dommage.
trouve ça nul que pendant ce temps, collègue, pendant j'organise une soirée, je trouve ça juste nul que pendant ce temps, les gangs cherchent juste à faire de la thune alors qu'il n'y a pas de flics de dispo. Il faut voir le fair play. Moi, étant helper, je réponds. Bonsoir. Quel type de voilà corriger bien évidemment ensemble. Elle est en train d'écrire, on va attendre qu'il termine. Après, je vais vous montrer comment je fonctionne en DBA. Alors, patati patata. Là, il est en train d'écrire à nouveau. En même temps, s'il met pas d'annonce soirée de prévu, pas d'illégal, ne pas faire d'illégal, ce serait pratique. Donc voilà. Bonsoir, quel type de soirée? Parce qu'il a dit qu'il organise une soirée. Mais c'est assez vague. C'est assez vague plutôt, pardon. Ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par contre, dans les DBA, je ne pourrais pas vous répondre. Hein, peut-être qu'il va me parler. Ah, attends. Justement, il y a Polo. Ben voilà. Il a raison, Polo. Polo, il a raison. Ah oui, nous, en tant que policiers, voilà. Attends, viens de bien, je vais t'expliquer. Mais attends. En fait, si vous voulez, Pro, c'est l'un des devs.
On va le prendre en DBA en direct. Par contre, venez pas me parler pendant le chat, je vais pas vous répondre. Voilà. Par contre, si tu peux te démute, ce serait cool. Oui, Adam? Ouais. What's up? Bah, ça va et toi? Ça va. Par contre, je suis en live pendant que je fais les DBA, donc voilà. Oui, y a pas de souci. Donc, tu sais ce que tu aurais pu faire? Hein? Tu sais ce que tu aurais pu faire pour l'événement, pour ton soirée? Vous étiez Dis-moi. combien en policier? Bah, on était que trois ce soir-là. Ah ouais. Parce que ce que tu aurais pu faire, c'est un adjoint pour Oui, sinon couvrir. j'aurais laissé deux policiers faire hors de la soirée. Mais moi, c'est pas sur ça en fait que je gueule. Et je gueule pas précisément parce que voilà. Juste, je tenais à préciser que moi, je veux mettre des choses en avant parce que sans ça, le serveur, on va pas se mentir, et que tu sois en live ou pas, le serveur, il n'y a aucune vie IRP dedans. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien. C'est juste flic VS illégal. C'est tout. Et Toi, moi, t'as ça oublié me les gave. UMS. Oui, non, mais enfin, t'as compris ma pensée. En gros, Ouais, je vois ce que tu veux dire. moi, mon RP, il se résume à courir après des mecs. Et c'est tout. Et du coup, je veux créer du contenu pour voir justement si les gens sont capables d'interagir avec nous en enterrant l'âge de guerre pendant une petite soirée pour voir ce qui se passe et ainsi de suite. Mais, malheureusement, c'est pas possible. Ils sont venus 5 minutes, les Crips, les autres jouaient le jeu. Et suite à ça, ils sont partis et on a eu des annonces vente de drogue à la chaîne parce qu'ils savent que pour l'instant, il n'y a pas de flic. Et au lieu de juste, à la limite, ok, pas faire de soirée, ils veulent pas en faire, d'accord, mais dans ce cas-là, respectez les soirées des autres et venez pas nous niquer tout notre plaisir. Je sais pas, je trouve ça juste un Ouais, peu voilà, parce que logique. moi, ce que tu aurais pu faire, vu que c'était trop en service, du coup. Ouais, ben moi j'étais pas en service, j'ai pris une fin de service. Sauf qu'en fait, même si on prend une fin de service, les flics comptent quand même actifs dans la ville. Et voilà, parce que ce que tu aurais pu faire, c'est un agent à la soirée et deux patrouilles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de soirée. Non, mais au moins un seul agent pour la soirée, tu vois ce que je veux te dire? Là où ça aurait été plus logique, c'est que Moi j'étais pas là pour Les voilà. autres aient dû faire play envers nous en se disant de toute façon ils sont 15 en plus chez les Crips là et de se dire ok il y a que 3 agents bon bah peut-être que ce soir ok on fait pas de drogue on essaie de développer du RP parce que le but de GTA c'est pas juste de faire de l'argent c'est de faire du RP de faire des scènes et pas juste d'aller vendre des pochons à des moldus enfin, je suis désolé mais tu vois je veux pas te manquer de respect Léon mais moi je joue sur deux serveurs donc ce serveur là qui est un entre guillemets petit serveur Ouais. et je joue sur Story Life qui est vachement plus gros et vachement C'est grave plus parce que je fourni en suis RP. en live, donc voilà, si ça se trouve le boss, je Non suis non même pas mais en live. non mais je c'est pas le problème c'est pas le problème et puis si ça doit me coûter un ban ça me coûtera un ban Non mais ça va ça... pas te couper un ban, t'inquiète, le boss il dira rien. Moi je le fais bien sur d'autres serveurs, donc voilà. mais Je vais ce que je aider veux ton dire client, c'est bon. justement j'aimerais bien que ce serveur-là soit comme l'autre serveur sur lequel je suis, car l'autre serveur est vachement mieux fourni niveau RP, niveau scène. C'est pas juste flic, gangster, et c'est tout. Et c'est plat. Ici, c'est plat. C'est ça, en fait. C'est sur ça que je mets le point, parce que je le dis à tout le monde. Il y a du HRP beaucoup. Il y a du manque de respect de partout pour les scènes, pour les gens qui essaient de faire des scènes. Et les gagnants dans l'histoire, c'est les mecs qui veulent juste pas faire de RP, mais juste des gunfights ou alors de faire des sous pour avoir des gros véhicules. C'est le seul RP qu'il y a Ouais, du actuellement. winner, peux-tu veux dire? Ben oui. Il n'y a pas de RP en soi. C'est que du win RP dans la ville. Je suis bien mieux que veux-tu que je te dise là-dessus. Ben, moi, j'attends juste que les staffs, entre guillemets, réaccordent le truc et mettent en place des règles pour les bons joueurs qui veulent réellement créer quelque chose. Pour qu'ils puissent juste se dire bon bah d'accord dans ce cas-là on va jouer RP et pas juste aller sur jeu parce que dans ce cas-là ils vont online ils font des missions et des braquages et c'est la même chose Ouais, voilà. donc bon enfin voilà moi juste c'est ça qui me Moi, je pète les suis couilles un peu helper, je peux rien faire à part aider, tu vois. non bah je comprends bien. Mais bon, même les modos, il y en a plein, mais au final, ils font jamais rien, ou alors ils font partie de ceux qui...
C'est ceux qui font dans les crypts ou ainsi de suite, qui font l'illégal et qui dérangent à enfin, qui dérangent à cette règle-là et qui n'appliquent pas le fair play. Ouais, voilà. Donc moi, je sais pas trop quoi faire. Et puis bon, bah, je te le dis là, même si c'est en live, c'est pas très grave, mais je donne un peu de ma personne ici et ainsi de suite, alors que je pourrais être ailleurs. Et je pense que si ça change pas dans les semaines qui, enfin dans la semaine qui suit, et qu'il n'y a pas une amélioration du RP, je pense que je sais que ça va faire ni Ouais, chaud ni voilà. froid à personne, hein, tu vois. Mais Attends deux voilà, secondes. juste ouais. Merci à toi, Lilou. Donc, tu disais. Je disais, ouais, ça va sûrement faire ni chaud ni froid à personne que je parte, mais juste, bah voilà, moi je pense que je vais me tailler si ça change pas, parce que le serveur niveau RP, il est très peu fourni au final. Ah, que veux-tu que je te dise? C'est comme Bah ça. rien, juste développer le RP. Enfin, c'est vous les entre guillemets les rois de la ville, tu vois, si c'est comme ça qu'on veut l'entendre, pour faire bouger les choses, vous avez Bah, la fois les cartes passée, il y en avait main. une manif. Si tu te rappelles. Au PDP, il y avait une manif samedi. Oui, C'était oui. vraiment. Là, ça a bougé, tu vois. Oui, mais sauf qu'à la fin, ça s'est barré en merde et je me suis déconnecté parce qu'il n'y a eu que du HRP à la fin. Bah, moi aussi, donc voilà. Moi, je vais dire honnêtement, je m'en fous si tu es en live. Moi, j'aime. Salut Lilou, et welcome à toi, Lilou 98, Lilou Garcia. Yo Lilou. Donc, Donc ouais, moi tu juste vois. voilà, le problème c'est que bah moi en fait enfin, de base moi je viens le soir pour faire un peu de RP flic et ainsi de suite dans une ville assez calme, et au final il n'y a rien de calme, il n'y a que des gosses, et c'est juste pas possible en fait. Enfin, il n'y a aucune scène réelle. Il y a des scènes d'orga par exemple, il y a pas de véritablement de scène d'orga. Je vois pas de vrais changements, de vrais trucs, de je sais pas, de propositions RP en fait, tout simplement. Donc peut-être qu'il faudrait faire un message à tous les staffs pour essayer de réorganiser tout ça là, et que chaque staff prenne une faction, que ce soit les Crips, ces trucs, ces cela, et qu'on réorganise tout pour faire en sorte que au moins ça soit respecté. Et même je suis même pas sûr que tous les staffs soient vraiment RP au fond, donc ça devient compliqué au bout d'un moment. Oui, voilà. Ben regarde, c'était quand? Hier, j'ai croisé un gars, il faisait le gosse, tu vois. Un RP enfant, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais si c'est une fois toutes les 30 ans que ça arrive, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Moi je veux des scènes ou des trucs où en fait on est là. En plus, c'est un serveur assez communautaire vu que tout le monde se connaît. Donc Ouais. si tout le monde se connaît, tout le monde est censé bien jouer ensemble car on connaît tous les profils de chacun. Alors. Bah regarde-moi, sans te mentir, moi je suis helper parce que le bof me connaît. Je suis modo de son live parce que le bof me connaît. Puis je suis à l'SPD parce que le bof me connaît, tu vois. Ouais. Donc tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, s'il te connaît, il sait aussi que peut-être t'es en capacité aussi de faire changer les choses. Enfin, je sais pas, parce que j'ai l'impression que il n'y a aucun ban, aucun avertissement de la part des joueurs, en fait, enfin, de la part des staffs envers les joueurs, parce que tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut, en fait. Il n'y a aucun, ce que je te dis, il n'y a pas de ligne directrice, tout le monde fait ce qu'il veut, ça roule à temps, à l'heure, ça peut faire des jumps dans tous les coins, il n'y a pas de fear RP, il n'y a pas de pain RP, il n'y a pas de power gaming, enfin, il y a du power gaming, il y a du metagaming de partout, en fait, c'est un online un peu plus dirigé. Mais Ouais, je c'est vois ce pas que tu veux réellement du dire. gros RP, quoi. Donc moi je sais pas, ça me casse les couilles de jouer sur un truc comme ça, tu vois. Si dans ce cas-là, enfin Bah au dans pire, ce cas-là, si je tu vais en veux, je ligne. peux voir le bof s'il peut venir te répondre à ta Ouais, question là-dessus. à la limite, mais je suis même pas sûr que ça va changer les choses, mais à la limite. Alors je vais lui demander, puis je reviens vers la Pokémon 3, selon les aléas du direct. Je reviendrai vers toi. Vas-y. Hein? Yo les gars, what's Salut Léon. up? Salut. Le bof, il est occupé, je présume. Quoi que ce qu'il y a? Ah, c'est parce qu'en fait, il y a Adam qui voudrait te parler. De quoi? D'un truc que je ne sais pas trop, quoi. Pourrais-tu Par rapport dire? au serveur, je crois qu'il m'a Le dit. truc que je t'ai envoyé. Ah, ben, il attendra.
Comme tout le monde. Ah, par contre, j'ai mon PC qui a planté. Quoi ça, un gant? What the fuck, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi, c'est Il est cool, sûr enfin. qu'il attendra. Ouais, tu dis attends. Ouais, si on peut me move parce que à lui parce que Très grave, mais c'était juste ah pour bah il indiquer est le. déco je crois. Ah bah non, c'est bon. Tu m'as dit quoi, Adam? Ouais, non, c'était juste en fait pour signaler, parce que j'ai l'impression, alors c'est vraiment pas pour manquer de respect, mais c'est juste que j'ai l'impression que personne, entre guillemets, se bouge au niveau du RP dans la ville, pour les staffs, parce qu'il y a plein de mecs qui font plein d'erreurs et ainsi de suite, il y a du HRP de partout et plein de trucs, donc c'est pas très immersif, je pense que si tu joues, tu t'en rends compte aussi. Et Joue pas moi. ah, tu joues Je pas? fais que dans les airs où je fais des boissons. Ok, bah en gros, il n'y a aucune immersion possible, soit il y a les mecs de 12 ans. Qui viennent gueuler partout, des mecs qui font. Quand c'est Enfin, comme bon. ça, faites des reports. Mais oui, mais le problème, c'est que j'en fais, sauf que ça J'ai change jamais vu un rien. de tes reports, Mais Lewis, si, Adam. j'en fais tout le temps, je fais que ça soit des tickets, ou sinon je vais tout le temps en BDA et ainsi de suite, une fois que la scène elle est finie, parce que bah, je respecte ce truc-là de terminer une scène. Et j'ai l'impression que vraiment, on est genre 3 à jouer RP sur le serveur au final, sinon c'est que du flic contre gang, et il n'y a pas de proposition de scène autre, il y a que du HRP, il y a du pain RP mal fait, du fear RP mal fait, enfin du no fear, du no pain, et ainsi de suite. Enfin, le serveur, il a ni queue ni tête, là, avec les gens qui sont dessus, et surtout au niveau de l'illégal, enfin, c'est une merde intense, en fait. Et c'est vraiment pas pour manquer de respect, c'est juste que bah, ça me fait chier, honnêtement, le serveur, il a un putain de potentiel, mais les joueurs sont pourris. Après, on essaie de faire un maximum, mais après, on peut pas être sur toutes vos scènes, tout ça, t'as capté. Non, mais Du c'est coup, même quand il y flagrant. Moi, c'est a un... flagrant que ce soit même au mécano. Tu restes 2 minutes. Vraiment, hein, tu viens 2 minutes. Full HRP. Il y a 2 semaines de ça, c'était pas comme ça. Je te dis, je reviens d'une semaine où j'étais pas là, donc je peux pas te dire comment ça s'est déroulé, mais je vais surveiller ça en tout cas. Ouais, parce que même au niveau. Tu vois, là en fait, le but de ma présence ici de base, c'était que j'avais voulu organiser une petite soirée. En RP, et ainsi de suite. 50 62. Ouais, exact. Ouais, on y était. Ouais, exact. Donc au début, bon bah voilà, enfin j'attendais rien de bien spécial, tu vois. Je me suis dit bon bah ça va être cool, histoire de essayer de créer une autre, enfin de proposer une autre chose que tout le temps la même chose. Et en fait, ce qui m'a fait un peu tilt, et c'est pour ça que je suis venu pour demander si c'était logique, du fait que les Crips du coup soient venus. Et donc, ils savaient clairement qu'on n'était que 3 flics en service, et enfin en service, pas en service du coup, mais sauf que ça change rien. Ils peuvent quand même faire de l'illégal si on est juste là en ville. Et on n'était pas en tenue et ainsi de suite. Je pensais que ça suffisait pour leur dire que c'était bon. Et au final, ils sont repartis. Et au final, bah, ils sont partis faire de la drogue. On avait toutes les notifs et tout ça. Et je trouvais que c'était juste du winner. Yoxandre 0309. Pour information, Lilou, si t'es toujours sur mon stream, je t'y mets un petit badge que tu seras belle gosse. Ha ha. Après, genre, ils vont. C'est comme dans la vraie vie, si t'organises un truc, les gens ils vont pas se dire, oh bah tiens, je vais rester avec les flics. Sachant que c'est Non, des gens j'imagine bien, illégaux, tout mais je ça, trouve que tu vois c'est ce quand que même je du veux win dire, c'est RP compliqué. de. Et je sais pas si tu comprends Mais on aussi peut ma pas leur vision, interdire. RP. Mais je comprends Tu bien, et je comprends peux. bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas interdit, et je le sais. Mais je trouve que. Et je trouve juste que c'est dommage, et ça valide encore ce que je disais, du fait de. Il y a un manque de réflexion derrière ça, parce que moi, je ferais partie des Crips, tu vois, sans qu'on me le dise. J'aurais dit non, les gars, les flics sont là, ok, on fait peut-être d'autres choses. Dans ce cas-là, on va récolter, et ainsi de suite, mais bon, on vend pas D'un maintenant. côté, ils peuvent pas savoir que c'est vous sans tenue de flic, tu vois ce que je veux dire? Bah si, parce que c'est la soirée organisée par la police, ainsi de Oui, suite, mais même. eux peuvent, moi tu me dis ouais, je suis dans l'illégal, on me dit qu'il y a une soirée, c'est les flics qui l'organisent. Et imaginons j'y vais, je vois tout le monde en civil, je me dis bah les flics ils sont pas encore arrivés puisqu'on vous a jamais vu en tenue de civil, tu vois ce que je veux dire? Bah la Les tête. gens peuvent pas forcément te reconnaître, c'est comme une personne masquée, bah masquée tu la reconnais pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est un mais peu sauf que là, il y a compliqué, la tu vois. tête quand même. Et Oui, c'est juste Omar. vraiment pour le côté, et tu vois, c'est pour ça en soi, c'est ce que je disais, c'est pas un gros problème, tu vois. Mais c'est juste, je trouve ça juste dommage, et ça rajoute juste une chose de plus, un argument de plus dans le fait que je trouve qu'il y a que du, entre Mais guillemets. après, sur ça, on peut pas, je peux pas aller les voir et leur dire, les gars, ils ont fait une soirée, vous avez pas à faire de l'illégal. Ça, Non, mais sur bien ça, sûr ce que que non. ils Mais vont c'est se foutre de ma gueule, l'attitude. ils vont me dire sérieux. Non, mais bien Tu sûr. vois Et ce que bien je veux sûr. Mais c'est dire? l'attitude qu'il y a derrière que je dénonce. C'est pas le fait en lui-même. Parce que Bah le d'un fait, oui, côté, je ils en comprends. profitent.
D'un côté, ils se disent, voilà, les flics, Oui, ils mais sont c'est ça. occupés Oui, à mais nous du coup, c'est du. d'aller. Oui, mais c'est du WinRP, dans un sens. Bah, Si on pas réfléchit forcément, bien. Bah, puisqu'ils si. ils profitent de l'opportunité d'aller faire leur taf. Oui, mais sauf que le problème, c'est que j'aurais bien aimé nous enlever du service, donc c'est ce que j'ai fait. On a tous fait notre fin de service et tout, sauf que la présence même de la police suffit pour pouvoir vendre de la drogue ou faire un package et tout ça. Mais par contre, si on. Ça change rien si on est en service ou hors service. Donc en fait, dès lors qu'on est des flics en ville, on peut rien faire, on peut rien proposer du coup. Si, après vous pouvez proposer ça, sur ça on vous a jamais dit non, mais juste que voilà, genre ils en ont profité ce soir d'aller travailler. Je pense que vous aurez fait la même, t'aurais peut-être pas toi mais les autres vous auriez fait la même chose. Moi je vois ça, j'en profite d'un côté hein. Sinon ils peuvent jamais faire, tu vois ce que je veux dire. Après Et puis en même temps, Amy, comme je le disais, ce qu'il aurait pu faire, c'est d'avoir un agent à la soirée, d'autres agents qui tournent en ville, tu vois. mais dans ce sont cas-là, pas il n'y a beaucoup personne. après. Ah, mais tu vois l'exemple. Non, mais tu vois, à la limite, c'est ce que j'aurais fait si on était genre 7, tu vois. J'aurais dit, ouais, y a deux mecs qui restent et ils surveillent, et ainsi de suite. Mais juste, tu vois. Ça, entre guillemets, c'est en soi, c'est vraiment ça, à la limite, tu vois, t'oublies, c'est pas grave. Mais c'est vraiment la proposition du fait que. Oh, tu peux la poser, hein, la question Lilou, t'inquiète pas pour ça. T'as le droit de la poser quand tu veux ta question. Avec d'autres organisations qui sont vraiment Je construites, c'est juste vais qu'ils te le n'aiment dire, pas. il n'y a pas d'organisation en ville. Non, non, mais je dis Il n'y a organisation, je que parle de les gang, tu gangs. vois. Je parle de gang. Mais tu vois, y a rien de construit, c'est juste de hey, toi ta gueule, hey, non, toi ta gueule, hey, on va tirer, ouais, je te mets une balle tête. C'est juste ça s'arrête à ça. C'est très primaire. Après, si ça se Après, trouve, on c'est n'a pas le même compliqué, avis du tout, tu mais vois, mais moi, en tout cas, je trouve ça dommage, tu vois, c'est pour ça que je venais en parler. Il n'y a pas forcément de ticket, je suis passé par le ticket, mais c'est juste pour en parler, avoir un avis de la part d'un staff, quoi. bah après les scènes poussées, c'est à eux de faire, tu vois, s'ils veulent la Eh pousser ou oui, pas. faut peut-être le Ça, faut on peut justifier aussi. pas les, on leur dit à chaque fois de pousser la scène, mais si tu vois, genre les crises, bah, ils font plus de scène avec les maras, tout ça, tu vois. Donc, dans ce côté-là, t'auras pas de scène RP gang comme ça, tu vois. Il y en avait Ouais, mais avant. c'est bien dommage. Ouais, mais du coup, tu t'imagines bien que c'est dommage. Là, le RP, il est plat. C'est Je sais très pas. plat au final. Moi, tu vois, je Après, me ouais. connecte. Franchement, regarde, tous les soirs, c'est la même chose. Je me connecte. Mais tu J'annonce veux ma. quoi? Tu veux qu'il y a quoi comme scène, tout ça, enfin. Juste, en fait, que les gens développent. Et c'est toujours la même chose que les Crips. Tu les vois. Tu leur dis, bon, ta gueule. Bon, allez, OK, à la limite. Il y en a un autre qui va te dire bonjour. Après, ouais, nique la police. OK, je veux bien. OK, il n'y a pas de souci. C'est dans leur RP et tout. Non, non. Je vais au mécano. Au mécano, c'est toujours la même chose. Il y a par exemple Kevin Fou, ou je sais pas qui d'autre, je m'en fous, je veux pas savoir, qui vient, il me court dessus. Eh, 33, 33, ouais, lui il a dit ça, il m'a envoyé un truc sur Discord. Et je dis, mais j'en ai rien à foutre, moi, je sais pas ce que c'est Discord, tu vois, il y a du HRP tout de suite, donc je me Chier, barre. tout ça, tu vois. Mais ouais, mais enfin, bref, enfin, tu vois, franchement, moi ça me Moi, gosse. à l'heure d'aujourd'hui, les gens, quand ils viennent, ils sautent sur moi, j'y réponds plus. Je les ignore, tu vois. Genre, quand tu sais que ça va être des gamins comme ça, tu ignores, tu t'en Ouais, mais fous. là, c'est que c'est vraiment le trois quarts des gens. Donc au final, je vais RP avec personne. Bah, ou tu leur fais comprendre, hein. Bah, c'est ce que j'ai fait la dernière fois au commissariat. J'ai gueulé sur deux petits, là, je crois que c'était des balas. Ouais, c'était les balas, là. Enfin bref, Aussi ils des se agents que gênent t'avais dit bien. aussi. Hein? Aussi sur des agents de police que t'avais dit aussi. Ouais, voilà, sur des agents aussi qui faisaient du HRP. Je dis la prochaine erreur, les mecs, enfin, je vais juste vous dégager. Mais Et tu me l'as parce dit que je. aussi quand j'avais rien fait en même temps. Non, mais je gueule sur tout le monde quand tout le monde parle, au final. Donc. C'est quoi comme grade à SPI toi? Euh, Moi je suis lieutenant. cadet. Je suis arrivé samedi Ah, grâce lieutenant. au bof. Mais toi, Adam, je t'ai jamais vu à la SPD. Ouais, bah, je suis lieutenant, pourtant, je suis tout le temps là. Ouais. Après, je suis arrivé, du coup, toi, si t'es parti et que tu viens de revenir, moi, je suis arrivé fraîchement. La semaine dernière, j'étais pas là. Bah voilà, bah, je suis arrivé la semaine dernière. Je Début de semaine suis dernière. lieutenant 21, moi. Ah bah oui, bah je t'ai jamais vu, alors. C'est parce que entre guillemets, j'ai mis en pause mon RP police. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Je le reprendrai après. C'est en fait, je fais police quand il y a besoin en jeu, Ok, ouais, je capte. comme EMS. Mais là, je suis moi, je suis vigneron sinon.
Ok. Mais ouais, mais tu vois, genre, il n'y a pas de proposition. C'est juste ça, en fait, que je trouve dommage. Et en soi, ouais, comme il n'y a pas d'erreur en soi, tu vois, c'est pas une erreur. Mais c'est juste que c'est dommage. Très dommage, même. Ah si, il y a des scènes après à toi essayer d'en créer ou je sais pas, tu Mais vois ce que genre, je veux dire? franchement, je fais tout. Franchement, hein, je fais tout pour en créer. Mais, bah, et c'est vraiment pas, tu vois, encore une fois, pour critiquer. Mais par exemple, tu vois, genre, Kevin, et je le sais, hein, parce que je l'ai aidé sur certains points et ainsi de suite, il a par exemple un retard mental, et Ouais, qui est mais avéré, ça, il hein. y en a quelques-uns. Et il y en a, voilà, c'est ce que j'allais dire, il y en a quelques-uns. Donc il y en a qui arrivent aussi à s'en sortir, et c'est très bien, et j'essaie de pas du tout les mettre de côté, tu vois, mais du coup, des fois, je les mets dans une scène, et Kevin, par exemple, bah, je suis désolé, mais je l'aime bien, hein, mais il fait que du HRP. Bah quand c'est comme ça, fais un ticket et nous on vient en jeu directement, tu vois, genre tu nous fais un petit report et nous on y va, nous on lui explique en mode bah voilà, il y a des mots que tu peux pas dire en jeu parce Non, que mais je lui ai c'est... expliqué 15 fois sur Discord. Je lui ai expliqué 15 fois. Il mélange Discord, HRP, RP. Le fait que je lui dise que je l'aimais bien sur Discord. Après, il me dit oui, mais pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais bien. Mais Discord en jeu c'est pas pareil, tu peux Ouais. t'apprécier en jeu et pas t'aimer sur Discord. Pareil, tu vois, genre le. Tiens, bah, j'ai un point là, le Dark Chat. Tu vois, le Dark Chat. Personne l'utilise. Ils font juste des slash anneaux et du coup, tout le monde le voit. C'est pas très immersif alors qu'ils ont un Dark Chat mis à leur disposition. Ouais, mais ça, ils ont toujours eu l'habitude sur Kiki, tu vois. Avant Ouais, Los Angeles, sur Kiki, ils utilisaient tout ça, tu vois. mais faut, tu vois, genre, bah, pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas eu l'habitude, Mais c'est. après ça, normalement, t'en prends pas en compte, toi, dans ton RP, parce Mais que t'es oui, pas mais sauf qu'il censé. y a un moyen de ne pas le prendre en compte. Tu vois, il y a un dark chat, ça. En plus, il est tellement bien fait. Il est bien fait de base. Tu rentres une fréquence, bim, tu parles, il n'y a pas de blaze, c'est bien, tu vois. Et là, du coup, tout le monde voit, donc on sait qu'il fait de l'illégal sans même vouloir le savoir. Tu vois, moi, je veux rien savoir. Et même si, du Pas coup, je censé fais pas savoir de. qui fait Mais c'est l'illégal. ça. Mais de toute façon, je fais en sorte de ne pas le savoir. Mais sauf que moi, je vois les choses quand même. Mon œil se porte dessus. Donc, niveau immersion, c'est pas fou. Mais ça, après, on peut pas l'enlever, tu vois ce que je veux dire? Non, mais vous pouvez dire d'utiliser le Dark Chat. Et il est là. Il n'y a rien à rajouter en soi. Ah, on l'aura déjà dit, mais après, c'est eux qui décident s'ils veulent l'utiliser ou non. Bah non, en soi, On c'est peut à vous de. pas, on va pas forcer de l'illégal à faire des choses alors qu'ils ont pas forcément envie d'utiliser le dark Mais chat. à partir du moment où ça parle du coup de métagaming, ça peut toucher au Bah non, métagaming parce que bien fait. c'est, bah oui, mais non, parce que les gens qui font du légal, les EMS et les Speedy, ils l'ont toujours su que les anneaux, ils n'ont pas le droit de le prendre et personne ne l'a pris en compte. Personne Oui, jamais le mais c'était prenait pas en compte. question que quelqu'un le prenne en compte. Heureusement qu'on le prend pas en compte. Mais heureusement. Mais il y a un dark chat qui est fait pour ça, pour que personne puisse. Même juste le voir. Enfin, je sais pas. Ils ont juste à faire F2, ils cliquent sur Dark Chat et c'est pareil. Sauf que c'est mieux pour nous et pour eux. Mais après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Après ça, on peut pas obliger des gens à... Ouais, mais dans ce cas-là, ils peuvent tout faire et personne ne pourra les obliger à rien faire, tu vois. Non, pas, c'est pas une question de... Ils peuvent tout faire. C'est juste que ça a été comme ça. Ils ont toujours pris l'habitude par rapport à des trucs, tu vois. Ok. Mais après, les scènes, je leur ai toujours dit, cette façon de pousser leur scène. Bon, sache qu'ils le font pas. À tout le monde, hein. À chaque fois que je vois des gens qui font une scène merdique ou quoi, je leur explique. Je fais, t'as tellement d'autres opportunités de faire ta scène, fais la plus longue, fais ça, fais ci, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais très bien comment ça se passe, hein, de tourner en rond et tout. Tout ça, donc pousser les scènes et tout. Ouais, non, mais Enfin, bref, moi je trouve ça un peu dommage, tu vois. Mais bon, c'est tout, c'est juste ça, voilà. Au moins, t'es au courant, et puis voilà. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, et eh ben, bonne soirée à vous. À toi Bon aussi. courage à toi, dame. Ouais. Ça comment? Ah, madame. Oui, donc Lilou, je t'écoute si t'as une question. Ah, si t'as, ouais, si t'as une question à me poser, vas-y, je t'écoute. Attends, tu sais quoi, Lilou? On va faire autre chose. On va faire autre chose.
Si t'es là, tu peux me répondre si t'es là, Lilou. Ouais, pose ta question, Lilou, pose. Vas-y. Pose-moi ta question, Lilou. Je t'écoute. On va que j'aille me pioter. On peut se le mater là maintenant si tu veux. Et je coupe le live. Ouais, mais t'inquiète. Je termine mon live et on se le mate juste après. Pour le Tom Escobar, on va se le faire juste après. Donc voilà, on va le mettre juste. Ben là, je termine, je fais la fin de live et on va se le mettre. L'épisode 2 de Tom Escobar. Oh, il y a un malade, Tom, mon papa, c'est le gouverneur, hein, mec. Mais juste avant, on va faire quelque chose en live qu'ils ne sont pas au courant. Hein. On va dire un petit bonne nuit en deux fois. Une fois en haut et une fois en bas. On va leur dire bonne nuit, ça. Sauf qu'ils ne sont pas au courant que je suis en live. Ils ne sont pas du tout au courant. Ça va leur faire une surprise. De toute façon, il n'y aura pas la rediff, hein, bien évidemment. C'est parti pour la surprise. Coucou Gino, coucou. Enfin, coucou Samy, salut Pro. Comment va-vous ce soir? Ouais, toi. Ça va, ça va, ça va. Ouais. À part que c'est calme avec 11 joueurs sur 350. C'est beaucoup, c'est trop calme. Ah. Ouais, bonne nuit les gars, c'était juste pour dire bonne nuit avant que j'aille me pioter. Ouais, c'est bonne nuit. Mais que je vais regarder une série avec Lilou tout à l'heure. Vas-y, Je hein. sais pas si tu connais Tom Escobar. Non. Celui qui parle comme ça, et mon papa, c'est le gouverneur. Non, je connais pas. Bah, tu t'apprends iPro MX Tom Escobar. Vas-y, je regarderai. Ah, ouf, donc voilà. Vas-y, Au fait, tu veux que je t'avoue quelque chose, Polo? Et Samy, vous vas-y. voulez que je Dis-moi. vous avoue quelque chose? Je suis actuellement en live. C'est incroyable. Si, sérieux, je suis en live sur le Discord. Pour les DBA pour terminer, tu vois. Ouais. Bah, comme ça permettra aux gens de découvrir comment est le Discord du serveur, tu vois. C'est vrai. L'envers Ah, du c'est vrai. décor, comme ça ramène des gens. Eh, tu vois, je suis malin quand même, Polo. De toute façon, le boss, il est pas au courant que je stream là actuellement sur le Discord. Alors, tu me mets au courant, tu peux pas faire ça normalement. Ouais, voilà. De toute façon, il est au courant que je live sur Roblox, mais pas sur le Discord, tu vois, les je sais pas. Eh, c'est deux choses différentes, hein. Ouais, voilà. Après, je remontre pas tout ce qui est au-dessus de au-dessus, tu vois. Je montre pas tout, tu J'espère vois. bien, j'espère bien. Allez, bon courage et voilà. Je termine mon live et je vais regarder un truc avec les loups. Hey, Tom Escobar, tu sais, mon petit body. Vas-y. Je leur dirai tout à l'heure. Vas-y. Ça leur fera une... bah, comme ça fait de la publicité pour nos serveurs.
Oh. Votre paiement en compte traitement, mais il faut que j'accepte sur la banque. Tu donnes moi le truc pour accepter en attente d'authentification. Ben donne. Y a pas. Foufouillou tout. Il me casse les couilles comme par hasard ce soir, ce truc-là. D'habitude, ça me le met direct, l'attente de confirmation. J'ouvre le téléphone, bim, bam, boum. Quoi, il n'y a pas? Oh, tout le monde. Oula, t'es fatigué, Amy. Je Oui, sais mais si pourquoi là, c'est ça me trop. donne pas le truc? Je comprends pas. Normalement, ça me met sur le machin, là. Validé. Bonne nuit, tout le monde. Salut. Normalement, c'est ça. Un instant. Ok. Normalement, ça me met le truc et ça me demande le code. Acceptez le code. Mais là, je ne sais même pas le code, j'ai rien, Zébi. Et bonne nuit aux filles, frérot, de ma part. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont au lit. Ok, il a pas entendu. Frérot? Non, je te dis, ça fait longtemps qu'ils sont au lit. J'ai un problème, Léon. Ah, ok. Ah, est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, y a rien de grave. Tu vois, tout à l'heure, quand tu étais en DBA avec moi et puis un autre. Oui. J'ai oublié de te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis actuellement live. Ah d'accord. Sur Bah, Twitch, tu peux donc pas. c'est-à-dire que je leur montre le Discord du serveur, tu vois. Bah, au moins ça fait une publicité émise pour le serveur. Ah bah oui, ça fait une petite pub pour le serveur. Donc s'il y a des gens qui rejoignent, ce sera grâce à moi. Entre parties. Voilà, bon courage, Amy. Bon courage, Pao. Bon courage, Cameron. Et coucou Bon aux filles, courage aux toi. frérots. Vas-y, pas de soucis, frérot, merci. Et ça, tu arranges pas Attends. que j'ai streamé sur le Discord? Non, tu fais ce que tu veux, frérot. Ok, Attends bah. 2 secondes, parce que je suis en train de faire un truc. Attends, frérot. Oui, ok, bah, de toute Alors façon, je là, vais me vas-y, j'ai déconnecter fait donc. ça. Et maintenant, je fais quoi? Bon, allez, bonne fin de game et Je tout, fais quoi courage. maintenant, Pao? Tu télécharges ça. Bonne nuit. Donc, jeunes gens, on va se laisser là. Lilou, je prépare tout ça et puis ben, je t'appelle en MP comme d'habitude. Voilà, si t'es corps levé. Donc, quant à nous, on se dit à la prochaine. Ah oui, pour information, pam pam pam, pas ce week-end, mais le week-end prochain, je ne ferai pas de live. Bah oui. 22-23 au soir, pas de live. Le 31 au soir, live paranormal. Voilà. Et sur ce, bah, comme d'habitude. Ouais, j'arrive, ma grande, j'arrive. Et sur ce, ciao, bye bye, et à Lilou, à tout de suite. Voilà. Bisous, bisous.